on prépare ce match de manière no normale. Honnêtement, on a eu entraînement mardi. On n'en parle pas vraiment. Lui a joué au foot, a essayé de faire de bonnes choses à l'entraînement, à se donner comme tous les semaines. Et peut-être que vendredi, on en parlera un peu plus. Mais je pense que non, faut pas trop penser à ce match et plutôt continuer à travailler et ne pas faire le match avant de l'avoir joué. Et continuer avec nos bonnes habitudes à La l'entraînement. chose qui peut faire la différence selon moi pour créer l'expérience, c'est avant tout l'équipe, je pense, vraiment jouer et que les supporters reconnaissent vraiment une équipe qui se bat sur le terrain l'un pour l'autre. Et après, je pense qu'il y aurait aussi une petite part de chance parce que en coupe, il faut toujours un peu de chance pour passer. Et pourquoi pas avoir cette chance dimanche contre Saint-Brieuc. C'est vrai que Ploufarn a tendance à réaliser de beaux parcours. Bah, pour ma part, c'est ma quatrième saison. Et j'ai déjà réalisé un sixième tour et un huitième tour. Il y a 3 ans, on avait fait un sixième tour. On avait éliminé une N3 et on s'était arrêté avec une défaite contre Fougères au sixième tour, N3 aussi. Et au huitième tour, on avait battu Sablé au septième tour et on s'était arrêté contre Vannes N2 au huitième, malheureusement au penalty. Et c'est vrai que Ploufarn n'a jamais passé le huitième tour et on y a été plusieurs fois, mais on n'a jamais réussi à passer ce huitième tour. Donc c'est un objectif et pourquoi pas passer ce huitième tour cette année. Pour terminer sur cette dernière question, le public, bien sûr, aura un rôle majeur dimanche pour nous pousser pendant ce match. Il faut savoir que le public, les supporters, on se connaît tous entre nous. Donc bien sûr, il y a une certaine famille au sein de l'AGP, au sein de Ploufarn. Et je pense que dimanche, faut vraiment leur montrer, les rendre fiers de ce club, de cette ville et tout faire pour passer le prochain tour. Et comme on peut dire, il n'y a pas de spectacle sans spectateur, comme dirait si bien un ami.